fait plaisir d'être avec vous. J'ai un message de quelqu'un que vous connaissez, là. Je ne dis pas son nom, mais il vous fait dire Ping B! Moi, je suis né, j'étais un baby boomer, un vrai, là. Je suis né en 1946, un an après la guerre. Puis chez moi, il y avait mon grand-père qui vivait avec nous, mon grand-père maternel. Lui, il avait fait la guerre de 14-18, et puis il m'en parlait quand j'étais petit gars. Fait que c'était présent pour moi. Puis il venait me réveiller le matin en tambourinant sur ma porte de chambre. Puis il paradait avec moi, parce qu'il m'avait jamais... j'avais un petit costume avec un tambour. Et puis, il paradait avec moi, il mettait ses médailles, son casque. Et puis, ça m'est toujours resté. C'est un peu un clin d'œil. Quand je vois ça, je pense à lui. Puis, ça en fait partie de ma vie. C'est un beau concert. C'est un concert avec différents orchestres, différentes harmonies, différents orchestres, des cuivres magnifiques. T'as des grands musiciens là-dedans, comme on peut voir, là, ceux qui apprécient, tu as des solistes extraordinaires. Souvent, ça, dans ces harmonies-là, c'est des fois des musiciens qui, pour continuer de jouer de la musique, vont rentrer dans l'armée, comme on dit, pour continuer leur carrière de musique aussi. Et oui, vice-versa. Des gens, à un moment donné, qui sont dans l'armée, puis dans un corps militaire, puis qu'ils ont un contact avec la musique. Moi, je trouve ça le fun parce que on a vu les cadets de l'Est, là, nos petits cadets. Là, c'est fantastique, des jeunes d'à peu près des ados là, jusqu'à 17-18 ans là, qui ont eu la chance d'avoir un instrument, un directeur musical avec eux, puis qui font ça pendant l'hiver, puis qui apprennent des pièces musicales, des chorégraphies, tout ça. C'est fun des musiciens, parce que la musique, c'est une langue, c'est une autre langue. Ils ont appris une autre langue. Alors, je trouve ça bien, bien touchant. Moi, ça me rappelle la jeunesse. Moi, c'était le théâtre qui m'avait permis d'un peu de supporter mon côté, le côté académique de mes études. Puis eux autres, c'est la musique qui les aide à vivre leur jeunesse, puis à former une équipe, un groupe, puis de continuer peut-être à jouer de la musique ensemble. C'est bien beau. C'est pas de la musique militaire, c'est de la musique des militaires. Les militaires qui peuvent, parce que c'est pas évident de rassembler un groupe de cuivre comme ça, de les écouter au prix qu'on paie. Là. Pour voir ça, les 800 musiciens, c'est rien que c'est un privilège un peu. C'est un gros luxe d'assister à un concert donné par un band. Bien chez les militaires que tu peux trouver ça. Italien, c'est spectaculaire de les voir en même temps courir et jouer de la musique. Là. Et surtout leur répertoire, un répertoire que je connaissais pas, mais qui avait, pour moi, qui correspondait à ce que je veux entendre de l'Italie, ou des chansons, des musiques italiennes. Puis très, très belles, très prenantes. Mais évidemment, la Légion étrangère aussi, ça, c'est... C'est un grand classique là, de l'avoir ici à Québec, la Légion, avec tous les films, puis l'espèce de mythe qu'il y a autour des gens qui sont rentrés dans l'armée, la Légion. Alors ça, c'est impressionnant. Au niveau musical, j'ai bien aimé la marine canadienne, là, parce qu'au niveau de la virtuosité, puis de toute l'harmonisation, là, c'était très, très beau comme musique. Puis il y a eu les Allemands, quel contraste avec la musique italienne après ça qui arrivait. C'est sûr que mes préférés, quelque part, c'est nos jeunes cadets. Des voir, là, je suis sûr qu'ils ont grandi d'un pied ce soir de jouer avec des maîtres, avec des musiciens chevronnés à côté d'eux. Là. C'est impressionnant de les voir là-dedans.